mato. Yo me lo voy a Balobakimi mingi ono tantiningo bila azali na vision fati betote tolobilu vunu jantiningo bila mukopaya magabiso bakumbata bazali awa zevo akutu na okite fati betoma fati betoma oh bete mabawa pa fati betote sege domomi miso bete mabawa pa fati betote la Brazzaville. Soko boy jating obila, comment la yo, Brazzaville. Bon matin, hein? Ma bonne copa la fâchie météo, jating obila. Merci maman, bébé climatisé. Merci beaucoup. Président Chigal, il n'y a pas ce qui est un bien, ma commande à Zakuna. Ma force du bonheur, ma zone au pays. Président Chigal, du bonheur à Simana Souka, aucun message. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Bougoumestre. Nazali. Eh bien, le thème de la rose, non, aussi qui va, c'est mon frère. Avenir qui couti, on a déjà qu'à. Vous voulez que. N'a pouvoir faut-il bientôt, il va rembourser l'état. Est-ce que déjà qu'à. Gentil, vous voulez que vous avez un ça va assez ce matin. Vous avez un la finance publique. La consigne. La consigne. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Son excellence, merci beaucoup, c'est un guéri. Ma bonne comme ma case, il faut la fâchie, mettez-le, j'attire le mobile. Vous venez, calamité, Azali Koya. Merci, maman, bébé, climatisé. Merci. Présence en ces lieux, c'est pour soutenir d'abord Fati Béton, notre très cher parrain, et de deux, l'excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, qui reconnaît la présence du chef de l'État qui nous a invités, lui-même personnel nous a invités. Il dit, je vais voir les amis de Fati et les mamans de Denis Nyakeru, pour votre présence, ça me fera de bien. Voilà notre présence en ces lieux.
yaya. Il faut pèse le prêtre à prêtre. Donc on dit milieu la nuit on sort avec papa. La prêtre est merci. Nous allons bientôt accueillir Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, comité d'accueil. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa,
l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs le ministre provincial, messieurs le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, messieurs le directeur du régime provincial, chers collègues Mougoumès, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, qu'il me soit permis de prendre la parole en ce jour au nom de la population de Ngiringiri, au bien propre, pour vous souhaiter ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne la bienvenue parmi nous, et c'est à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel des travaux de réhabilitation de l'avenue Birmani, allant de la commune de Kassangoubou, traversant la commune de Ngiringiri et jusqu'à la commune de Boumbou, et de l'avenue Ngiringiri, du croisement de l'avenue Assosa jusqu'à l'avenue 24 novembre. De ce fait, la population de la commune de Ngiringiri, à travers ma modeste personne, présente ses vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État pour la réhabilitation des infrastructures routières, des axes à savoir, croisement des avenues Ngiringiri et Assosa jusqu'à l'avenue Manifeste dans la commune de Boumbou, et de l'avenue Makanda, de l'avenue Elegessa jusqu'à 24 novembre, et c'est dans le cadre du projet du régime. Et à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tinimba Kangobila pour la réhabilitation de l'avenue Elegessa, du croisement des avenues Kassangoubou et Elegessa jusqu'à l'avenue Bypass, en face de la commune de Mokafuna. Tous ces ouvrages ont permis le désengorgement des grandes artères, dont la population de la commune de Ngiringiri en particulier, et celle de la ville de Kinshasa en général en sont bénéficiaires. Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de signaler ici que le projet ABC dont les travaux sont en cours de réalisation pour la réhabilitation de l'avenue Sayo, de l'avenue Kassangoubou jusqu'à l'avenue Mafuta dans la commune de Boumbou. La partie sud de la commune de Ngiringiri étant sous-développée par manque des infrastructures fiables, et à travers toutes ces réalisations, la population de la commune de Ngiringiri espère un développement total. À la population de la commune de Ngiringiri en particulier, et celle de la ville, province de Kinshasa bénéficiaire de toutes ces infrastructures, je leur demande de bien vouloir les protéger et de les entretenir. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville-province de Kinshasa, que vive la commune de Ngiringiri, et je vous remercie. Madame et Messieurs les bourgmestres des communes de Kassangoubou, Ngiringiri et Boumbou. Mesdames et Messieurs, et qualités respectives, distingués invités. Permettez-moi, avant de commencer ces petits mots, de vous saluer. Excusez-moi. Permettez-moi, avant de commencer ce petit mot, de vous saluer et de vous remercier pour votre présence à tous à cette cérémonie de lancement des travaux de la voirie dans notre ville. Personnellement, je suis très honoré de participer à cette cérémonie et de prendre la parole au nom de la société Safrimex, qui a reçu de l'exécutif provincial de Kinshasa la charge de construire et de moderniser les avenues Birmani et Ngiringiri. En effet, ces projets qui démarrent physiquement aujourd'hui verra à son terme l'avenue Birmani qui traverse les communes de Kassangoubou, Ngiringiri et Boumbou, être modernisée sur une longueur de 4887,48 mètres avec une largeur de 9 mètres. De même, l'avenue Ngiringiri, située dans la commune portant le même nom, sera elle aussi modernisée dans son segment
compris entre Asosa et Libération. Sur une longueur de 1086 mètres avec 9 mètres de largeur. L'entreprise Safrimex, par ma voix, remercie le gouvernement provincial de Kinshasa pour cette marque renouvelée de confiance et pour l'honneur qui lui est fait d'être compté parmi les partenaires auxquels la ville recourt pour la matérialisation de ses projets dans les domaines des infrastructures. Safrimex est conscient de cette immense responsabilité et ne ménagera aucun effort pour fournir des services de qualité à la hauteur de cette confiance et des attentes suscitées. Aussi, en conformité à sa charte de valeur, l'entreprise mettra un point d'honneur à exécuter les travaux dans le règle de l'art et dans les délais lui impartis par une satisfaction optimale du maître d'ouvrage ainsi que de la population bénéficiaire. C'est ici le lieu pour moi d'inviter nos équipes ainsi que toutes les personnes qui vont œuvrer ou intervenir, à quelque titre que ce soit, comme prestataire de services dans le cadre de ces chantiers, à prendre les mesures de leurs responsabilités dans la réalisation heureuse des travaux, à protéger les matériaux et matériels du projet et à donner le meilleur d'elles-mêmes afin que l'ouvrage à réaliser réponde aux standards requis. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, juste après la prise de vos fonctions à la tête de notre ville, en présence et avec la bénédiction du Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez lancé les projets phares de votre mandature dénommé Kinbopeto. Ce projet phare a été conçu sous votre leadership pour relever les défis de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des Kinoises et Kinois. Dans le secteur des infrastructures routières, Kinbopeto s'est traduit notamment par la politique que vous avez initiée des constructions des routes secondaires et des contournements, laquelle vise à améliorer la circulation routière dans la ville et à apporter une réponse concrète et efficace aux défis des mobilités urbaines, des désengorgements du trafic routier et des désenclavements de certains quartiers de la capitale. Comme d'aucuns le savent, Kinbopeto place le bien-être de la population kinoise au centre de vos préoccupations. Kinbopeto s'arrime solidement et adéquatement à la vision prônée par la plus haute autorité du pays, à savoir le peuple d'abord. Aussi, tel que j'ai eu à le dire à l'entame de ma prise de parole, l'entreprise Safrimex se sent à la fois honorée et privilégiée d'être comptée parmi les partenaires auxquels vous faites confiance pour accompagner vos infatigables initiatives et actions pour la matérialisation à Kinshasa dans le domaine des infrastructures, de la vision de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. À cet effet, je voudrais vous assurer du soutien du groupe Socimex et de son accompagnement à chaque fois que de besoin. Aussi, je reste convaincu que grâce au travail remarquable que vous accomplissez d'une part et avec les concours et l'implication de tous, d'autre part,
l'ambition que vous affichez à travers Kingobeto, les rêves que vous caressez de Kinshasa la Belle ou de Potomoindou est à notre portée. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous remercie pour votre aimable attention. Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs les commissaires généraux, distingués invités, à vos titres et qualités. C'est avec une grande joie que je m'adresse à vous tous ici présents en ce jour, en ma qualité de ministre provincial des Travaux publics et infrastructures de la ville de Kinshasa, pour le lancement des travaux de construction des avenues Ngiringiri dans la commune de Ngiringiri et Birmani dans les communes de Kassavubu, Ngiringiri et Boumou. Qu'il me soit ainsi permis de vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence en ces lieux. En effet, l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Gentili Ngobila, avait dès sa prise de fonction amorcé un processus visant à doter notre ville d'une voirie assurant les meilleures conditions de circulation de ses administrés ainsi que de leurs biens afin de garantir la ville. Je salue une fois de plus le leadership de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Gentili Ngobila, qui m'a donné le privilège d'accomplir cette tâche en tant que ministre provincial des Travaux publics et infrastructures, et à qui je tiens à dire ici que je ne ménagerai aucun effort pour servir la population kinoise conformément à sa vision pour son volet infrastructure. Que les Kinoises et Kinois trouvent ici l'expression du dévouement de l'exécutif provincial de Kinshasa pour l'amélioration de son vécu quotidien. Honorable Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, répondre aux besoins de la population kinoise étant l'objectif principal de l'exécutif provincial, le secteur des travaux publics et infrastructures en constitue un défi majeur dans la matérialisation des projets à impact visible et immédiat sur le quotidien des Kinoises et Kinois, impactera sur la capacité de celui-ci à réaliser ses objectifs. La cérémonie de ce jour réaffirme une fois de plus la volonté de l'exécutif provincial de Kinshasa à réaliser cet objectif afin de matérialiser la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette optique qu'à l'instar des avenues Mongala, Elengesa, Kikwit, Bongolo, Mombele, Djili Sekouma et la boucle Wangata Usoke Hôpital, à travers la ville de Kinshasa, votre exécutif provincial est aujourd'hui à pied d'œuvre sous les avenues Ngiringiri dans la commune de Ngiringiri et Birmani dans les communes de Kassavubu, Ngiringiri et Boumou. Qu'il me soit permis de rappeler à toutes et à tous que par mon ministère, l'exécutif provincial est à pied d'œuvre dans le secteur des infrastructures de notre chère ville. Pour les avenues Mongala, Bongolo, Elengesa, Kikwit, Mombele, Djili Sekoumafa, la boucle Wangata Usoko Hôpital et les avenues Ngiringiri ainsi que Birmani aujourd'hui, votre gouvernement provincial ne ménagea aucun effort pour concrétiser au maximum les projets arrêtés dans ce domaine. Ainsi, j'en appelle à l'élan patriotique de la population kinoise en général et celle des environs en particulier, afin que ces derniers s'approprient cette route dès l'instant présent jusqu'à l'achèvement intégral des travaux et qu'elle veille sur cet ouvrage après sa mise en service afin de protéger de toute forme de dégradation pour assurer la qualité du trafic routier dans cette partie de la capitale. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse toute la population kinoise. Je vous remercie.
Des avenues Ngiringiri et Birmani à travers respectivement les communes de Ngiringiri, Kasavubu et Bumbu. On soutient la continuité des actions inscrites au programme du provincial de Kinshasa dans son volet voirie et mobilité urbaine. Ceci vise à enclencher une transformation progressive de notre mégalopole autour d'une infrastructure structurante qui permettra le désenclavement des quartiers entiers, tout en améliorant les conditions de vie des populations, particulièrement des zones environnantes et de toute l'étendue de la ville en général. Par ailleurs, ces actions impliquent une forte mobilisation des ressources financières, d'où cette recommandation aux Kinoises
et quinois à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs fiscaux, tels que les impôts fonciers et locatifs, les vignettes des engins roulants, etc., afin de donner une impulsion à l'exécutif provincial de rendre Kinshasa aussi attrayante qu'émergente, sous le leadership de son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui nous rendons par ailleurs un vibrant hommage pour sa quête permanente dans l'amélioration du vécu quotidien du Congolais. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est énième lancement. Les travaux réaffirment ainsi notre volonté de matérialiser la vision des chefs de l'État en matière des infrastructures de base. En effet, depuis notre avènement au gouvernail de l'exécutif provincial de Kinshasa, plusieurs projets ont été réalisés. Entre autres, je cite, l'avenue Mongala dans la commune de la Gombe, l'avenue de la paix longeant la commune de Matete et celle de Kisenso, l'avenue Bongolo ainsi que le pont Bongolo que vous connaissez très bien, l'avenue Elengessa qui est une transversale nord-sud en se prolongeant sur l'avenue Kasabubu. Celle-ci dessert concomitamment les communes de Kasavubu, de Kalamu, de Ngiringiri, de Kalamu, de Serembaou et de Mungafu. L'avenue Kikwiti, qui est une transversale est-ouest, qui rend son origine à l'échangeur de l'unité, et longeant les communes de Lemba, de Limete, de Ngaba, de Kalamu, de Makala et de Bumbu. À titre exemplatif, une personne partant de l'aéroport de Ndjili pourra s'en passer des itinéraires menant à la place Vikoua ou sur le boulevard Triomphal pour atteindre Bandalungwa. Les avenues Birmanie, quant à elles, est un complément aux transversales nord-sud telles que Lengessa, Asosa et Libération, qui viendra booster comme les autres cette mobilité dans les échanges intra-urbains recherchés par les Kinois. Ainsi, j'exhorte la population quinoise d'accompagner chaque projet dans son environnement immédiat en protégeant les matériels et matériaux stockés pour une bonne exécution des travaux. Quant à l'entreprise adjudicataire, je lui recommande de privilégier dans le recrutement de la main-d'œuvre les jeunes du quartier, pour que cette population environnante s'approprie des projets tout comme l'esprit de Kinshasa Bopeto, une affaire de tous. Je ne saurais clore mon propos sans vous renouveler mes remerciements le plus sincère et sollicite votre soutien continu dans la réalisation des projets inscrits dans le programme du gouvernement provincial pour le bien-être des Kinoises et des Kinois. Voilà Kinshasa, un beau terabino. Voilà Kinshasa, viva. Voilà Funa, viva. Voilà district à Funa, viva. Bon. Tout le monde dans le poteau. C'est quoi, non? Ton père, c'est la paix. Là, mon Rwambouka. Et la beauté. Hello, tombé.
Trobeta l'anguille à dé, trobeta l'ingala, il y a propre. Il y a beauté. Bon, pour le bac qui bouille, il y a l'ibosso, la pessi, la bino banso. Bah merci, il y a Kafou Kafou. Bah merci, on a pessi la bino, la pessi en opé. La baye Nyonso, Oyo, la Tiki Misara na bango, la Tiki la Palestine na bango, la Tiki, la Djenda na bango. Obanda, Misala, ya Balabala, Giringiri, na Balabala, Birmanie. Et c'est un mot, et c'est un mot. Ce qui est un mot, vous mettez la Fatima Boko. Fatima Toma Boko. La Biboye. Ce qui est un mot, vous mettez la Fatima Toma Boko. Azagara, Kolomboka. Depuis Aye, Mamisala et Salami et Bélé. Nandera Mouketé. Nagosi, Misala Nzela. Vraiment, Atago Basala. Misala et Salami. Nagopesa, Ndakisa, na district Yafuna. Kosali, Elengesa. Sous le leadership, il y a Fatih Beton. Moni, Ebani Bana Kassavou, Eleki Ngiringi, Eleki Kalamu, Eleki Gumbu, Eleki Selembao, Eke Kokoya, na Mungafou. Tout va dans le calme. Tout pèse la nous, évangile selon Fatih Beton. Fatih Beton. Voilà. Alors, on salue Avenir qui fuit. Et Bandi n'a entré à foi. Et Pasoli, Lemba, la liberté. Et Koti, Ngaba. Et Koti, Bumbu. Et Koti Kalam. Et c'est moto et c'est moté. Bonsoir, pour la Rubungisa, mobilité. Facilité, transport, la Kati, y'a ville, y'a Kinshasa. Y'a Ngonde, souci, y'a Tata, Mokondi, Mikolo, Nyonso. Tongo, Boutou, Moi. Alors, Ben Napso Matoi, Bosa Lanzela, tel. Dès que j'ai vu le Romoro, je suis venu à Fatih Beton à la mort limité, à la mort à Gombe. Mais, je suis venu à Romoro. Bana Kinshasa, il y a Tongo, il y a bien. Je suis venu à Kola Nzombo, Awa. Je suis venu à Nzombo. A Beta Bale, la terre à Bondo. Oui, bien, non? A Beta Bale, la terre à Bondo. Grand gardien. Alors, on a un mot. Manzela, Oyo, et là, au Salma, pour bandaler l'eau. La Balabala, Ngiringiri, et Kassavubu. Et la continuité, il y a programme, il y a gouvernement, on a voirie et mobilité. La tirette, bateau, Baleka, Pepele, la Manzela. Embouteillage ici là Nakati Mboka. Alors, on a pour transformer Kinshasa na biso. Tata Mokondi, Asengi, tout kende mom lombango, na banzela, na ba infrastructure, Oyo, tout aller pour ça là, Nakati, ya ville de Kinshasa. Bon monaki, pom bongole si la ki. Fatih Beton, il est mort à quelqu'un qui nous guérit. Vous connaissez qui, hein? Bon,
Na balabala bongolo et sali 40 ans. Kobanda 1982. Tango yemoko yeme. Kolomboka azui makamono maboko bomoni banzela ezali osalema tuku meke. Alors ezali pona ko améliorer ma condition ya vie ya bana Kinshasa. Alors banzela wana pona kosala yango ezali kosenga misolo pe falanga na ndenge ya mokete. Alors esengela bino bana Kinshasa bana funa tobatela banzela oyo tozali kolengela mpona bino. Rekomandation na biso ezali kaka moko, tosengi na bino bofuta mpako na ndenge ekoki, ezala ba impo ya vignette, ezala ba impo foncier, esengeli kofuta mpako wana pour ne pas s'abîmer par moyen pour ça les sous-sous banzela ndenge ekoki poete bakinwa bazo banzela ndenge tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na biso pour ça la banzela le binope bobatela banzela yango. Alors leadership, na leadership, ezali na bokeseni. Ezali na leadership msusu, ezali na conscience, pe ezali na kosalela pe kolandela misala. Abandi bomoni tata mokonzi avandaka na bureau te. Soka avandi butu butu ala kotambola pona kotala mboka na ye ndenge nini asengeli misala esalema. Soki pe misala ezali kotepatepa abendi biso matoya basosiete oyo baza kosala misala mingi bakenda pe warka basi bakota boloko basosiete ebele bakota boloko po mate misala na bango ebandaki kotambola na malembe yango malembe mpenza. Alors, ma travaux au Yotozali, au Sala, sous le leadership et à Tata Mokonzi Ekolo, et c'est bien boyé pas que ils allaient pour la bino, on est avec au Sala. Il y a une différence, ils allaient ma casse. Tata Mokonzi, malgré ma difficulté, et c'est bien que Luka Mbongo, Mingi, pour la robe, ça m'a pingé la biso côté à Mounielé, côté à Est, côté à Goma, côté à Bukavu, côté à Ituri. Mais Azali, pour bon, ça fait moi bisolo, toi et Bana Kongo, Bana Kinshasa, Bakuka, Ozoa, l'infrastructure. Et là, il y a 15 km. Il va dire la boulevard Lumumba, la Ampé Ndjili. Et il y a la place dans vos 15 km. Et comme il dit, la Congo centrale. Deuxième place dans vos 70 km. Et il dit, qui sent. Alors, pour moi, qui vous savez qui peut m'amener pour moi là. Koussali va venir libération. Koussali va venir délai. Awana Giligiri, Pé Kassavoukou. Bref, la district Funa, Banzela et
et salami fait et les salama du sousou la sosa babala manifeste babala et les salama les gens qui étaient pas sous la hello et la mbunga et la mbunga Ce n'est pas facile, mais il faut te féliciter. Mais aussi, dans le Boko, ma casse. Vous allez bien au Boko, comme on a. Kondi les alliés au Tambola. C'est ça qui nous parle les kids. Bitumba, et si Maka, et si Laka, la terre, c'est-à-dire que la première abisson, les alliés au Poussama, côté diplomatie, Tata Mokondi, les alliés au Sala. Et à la diplomatie régionale, l'Afrique, et à la diplomatie Kuna, na internationale, Bolanda qui n'a pas dit, Denganini, Atié Bango Kao, Denganini, Atié, président de Rwanda Paul Kagame, Atié Kao. Et à la diplomatie de la plus B que Rwanda de Azali au Bundisa Congo. Président de Rwanda de Azali pour soutenir la M23. Alors bien, moi, pour l'élé. Les alliés, c'est mon tour et c'est mon tour. Ce que mon Ndoki, il faut qu'on belle là. Ce que mon Ndoki, il faut qu'on belle là. Alors, tout ce qu'on belle lié. Peut-être mon Ndisala naé. Mon Ndipresse n'est pas au quota. Congo, la Bitumba, Bazali, Kobomba, Bazali, vous avez l'élection. Eh, bon niveau, la Kinshasa, on a un miso. Ce qui va y être, on doit qu'il s'embête. Ok, la Kinshasa vivant. Comment la passe, Bazali, Kobomba. Alors, on a le nom et souci, quoi, donc elle est la qui piti, on a la misala, on a le nom de sala, la district de Mouamba, la commune de Lemba, Limete, Ngaba, Nakana, Pé, Bumbu. À vous, merci.
Information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans la nouvelle édition, Eshima Magazine présente dans ses colonnes les réalisations d'un ministre du numérique, pionnier de son portefeuille. À la une, Eberhan Kolongele engagé à matérialiser la vision du président Tshisekedi dans le secteur du numérique. Dans le souci de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social, une vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, consigné dans le plan national du numérique à l'horizon 2025, le ministre du numérique, Eberhan Kolongele, a mis les bouchées doubles pour sa première année passée à la tête de ce portefeuille. Un bilan dressé en 9 points, parmi lesquels la mise en place d'un cadre juridique du secteur dénommé Code du numérique. Dans une interview exclusive accordée à Eshima Magazine, l'ancien directeur du cabinet intérimaire du président de la République revient sur la mission principale dévolue à son ministère et comment il est arrivé à l'élaboration de la feuille de route du programme de transformation numérique de la RDC. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes, DGI, Barnabé Mouakadi, 2 ans de pic inédit. Le 16 juin 2022, le directeur général des impôts Barnabé Mouakadi Mwamba a totalisé 2 ans à la tête de la DGI. Sous sa direction, la mobilisation de recettes a atteint des pics jamais réalisés pendant les 24 derniers mois. Une courbe ascendante quasi permanente malgré le contexte difficile lié notamment à la pandémie de Covid-19.
autres performances à découvrir dans Eshima. C'est le 2 ans d'une lutte sans merci engagée par l'IGF contre le détournement des deniers publics. Découvrez un résumé des actions menées par l'équipe de Jules Alinguété et Victor Batubenga ces 2 dernières années, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce qui a conduit à la réduction sensible des détournements en masse opérés par les prédateurs des finances de l'État. À lire également, élection 2023, Denis Kadima va corriger les erreurs du passé. À 1 année et demie des nouveaux scrutins en République démocratique du Congo, l'équipe de la CENI dirigée par Denis Kadima s'emploie à perfectionner les opérations électorales afin de corriger les erreurs du passé et changer l'image de cette institution. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.